smartphone. Gabriel is for some unique button. So now we're going to go, we're going to watch and we're going to look to the origins of the creation. You will listen to the interview of Silvina Gasteloa. Silvina Gasteloa se numește creatoarea acestui flacon. Silvina Gasteloa, she's our creator for packaging and she's going to explain to us the origins of the creation of the bottle. O să ne explice care a fost universul, sursa de inspirație atunci când a creat acest flacon. Création commence par un dessin. Pour Gabriel, j'ai voulu travailler sur l'épure. L'épure si chère à Gabriel Chanel. La simplicité du dessin et la finesse de la verrerie. Le dessin de ce flacon est simple. C'est un carré, l'étiquette. Dans un carré, le flacon. Et pour la première fois, les biseaux convergent vers le centre du flacon. Pour donner à la fragrance une couleur légèrement dégradée et un effet de lumière. Le bouchon est également un carré de la taille de l'étiquette. Pour cette nouvelle fragrance, j'avais un rêve. Je voulais que le flacon s'oublie pour ne laisser apparaître que la fragrance. Cette envie de verre fin est à contre-courant de la tendance du marché. Très souvent, trop souvent, la charge de verre est associée au luxe. Ce choix a donc été un double challenge. Rompre avec les traditions du marché tout en gardant l'idée d'un objet très précieux. Et le deuxième, garantir la robustesse de ce flacon aux lignes épurées. Il a fallu mettre au point un process innovant qui a nécessité plus de 5 ans de recherche. Si vous regardez un flacon classique, vous verrez dans la base une charge de verre que l'on appelle marloquette. Pour Gabriel, je ne voulais pas de cette marloquette, je ne voulais pas de cette charge de verre. Avec le partenariat d'un verrier qui nous a suivis dans cette aventure, nous avons trouvé un procédé pour faire ressortir cette marloquette vers l'extérieur. Il a fallu le repolir unitairement. Nous avons ainsi obtenu un fond parfait. Ce procédé très particulier a fait l'objet d'un brevet. Pour garder cette idée d'épure, les mentions légales qui habituellement se trouvent sous le flacon, je les ai cachées derrière l'étiquette. La dimension solaire de la fragrance m'a inspiré ce ton indéfinissable de l'étiquette, du bouchon et de la chemise. Ce n'est ni un or, ni un argent, c'est un lamé. Ce lamé m'a également été inspiré par la haute couture, les tweeds au ton subtil où les fils d'or et d'argent se mélangent et donnent un ton indéfinissable, les broderies, la joaillerie. Ce parfum s'appelle Gabriel et s'inspire de l'univers de la créatrice. Gabrielle Chanel disait « L'envers doit être aussi beau que l'endroit ». Elle disait également « Le luxe, c'est ce qui ne se voit pas ». C'est pourquoi, comme la boîte que le duc de Westminster avait offerte à Gabrielle Chanel, l'intérieur de la chemise est d'un or plus riche. Toujours dans cette idée d'épure, j'ai fait disparaître les mentions légales en les embossant pour mettre en majesté le nom de ce parfum, Gabrielle Chanel. Pour protéger ce flacon précieux, j'ai imaginé un ondulé qui reprend la forme du flacon, comme un écrin protège un bijou. Évidemment, on parle là aussi d'innovation, et cet ondulé a fait l'objet d'un brevet, signé Chanel. Aurélia, what makes this bottle so unique? De ce este această chipluță atât de unică? So we have first the shape of the bottle. Mai